identifiée, sélection du sexe et du morphotype. Sélectionne un type de délit, compile les données disponibles sur les héros et les criminels existants. Sélectionne un mentor ou une ligne directrice pour l'application des données. Sélectionne un groupe de pouvoir à partir des données d'Exobyte afin de déterminer ton rôle de combat. Sélectionne une arme à partir des données disponibles. Les options d'apparence sont désormais disponibles. Modifie toutes catégories selon tes besoins, puis accepte le téléchargement quand tu as terminé. Téléchargement réussi. La Terre.
piratage a fonctionné. J'y suis, et te voilà debout et libre. Ouh, ok, je suis Oracle, et on va te faire sortir de ce vaisseau. Cherche une porte qui mène à l'extérieur. Dysfonctionnement de la chambre de conversion. Le prisonnier s'échappe. Ah, ils ont percé à jour mes programmes de piratage. Le vaisseau sait que tu es libre. Fais attention. Prépare-toi. Je détecte des forces qui se rassemblent derrière cette porte. Le sujet ne se trouve plus dans les couloirs principaux. Passez le vaisseau au peigne fin. Continue. Le vaisseau tout entier est connecté à Brainiac. Tu dois absolument continuer à avancer. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. Détecté dans les couloirs. Stoppez les mains. Il y a une connexion de haute surveillance devant toi. Vas-y et utilise les tubes de transport. Envoi d'une cargaison de marchandises terrienne. À toutes les unités en position. Maîtrisez l'être humain.
une cargaison de marchandises terriennes. Prépare-toi. Le vaisseau envoie des défenses de ton côté. Ces émanations d'énergie... Oh oh. Brainiac dispose d'une force d'invasion complète sur ce vaisseau. Nous devons absolument le détruire. Alerte ! Activité humaine détectée à proximité. Initialisation combat. Dégâts critiques. Objectif en vue. Statut critique. Cible transférée. Assistance requise. Dégâts subis. Statut critique. Attaquant ennemi. Attaquant ennemi. Défaillance générale du système. Dégâts sur le vaisseau en augmentation des unités en position individu en maîtrise immédiatement. Le canon principal du vaisseau se trouve là-devant. Détruis-le. Cela désactivera le réseau de défense externe du vaisseau. La Ligue pourra alors s'y introduire pour te faire sortir de là. Ne laisse pas les prisonniers s'emparer de la salle principale de contrôle des armes. Des dégâts dans les couplages de puissance peuvent déstabiliser le vaisseau. Ne sois pas bête, humain. Tu ne peux rien faire pour stopper la corruption. Tu es dans le cœur de connexion. Détruis tout ce qui relie le canon au vaisseau. Couplage détruit. Stabilité à 51-50%. Arrêtez le prisonnier. Il ne reste plus qu'un couplage. Ne déçois pas Brainiac. Oui, le canon tombe. Il s'écrase sur le champ de force de Brainiac, en dessous. Tu te soumettras. Oh!
Celui-ci a échoué. Alimentation coupée. Superman, prépare-toi. Je te fais entrer. Misérable être humain, tu cours à ta perte! Tu sombreras avec le vaisseau! Réfléchis bien, Brainiac. Tu ne peux pas te débarrasser de nous deux en même temps. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas mis ce vaisseau hors service. Définitivement. Tu ne peux pas défier la volonté de Brainiac. Rends-toi maintenant ou fais face à ta destruction. Continue à te battre. Le réseau refuse encore de me laisser entrer. Arrête ça immédiatement. Vaisseau moissonneur 7-0 a été compromis. Déploiement des forces restantes sur Terre. Ce vaisseau a été compromis. Évacuation de toutes les unités. Beau travail. Brainiac ne s'attendait pas à ce que tu te libères et désactives son vaisseau. Maintenant, utilise le téléporteur et retourne en ville. Nous avons du pain sur la planche. Superman va terminer le boulot ici. Passe par les téléporteurs pour t'échapper. Vas-y,